vais perdre toute ma marge bénéficiaire. Oh, ils veulent tous me prendre. Ce qui est à moi. Rendez-vous sale patte de mes affaires. Non. C'est relativement dégueulasse, hein, je pense qu'on va tous être d'accord avec moi. Je n'ai plus Ravi avec moi par contre, ça c'est un peu dommage également. Donc j'ai plus rien. Hein, j'ai plus du tout de mes armes, tout, ça a tout disparu. Je suis un peu énervé là, je dois vous l'avouer. Je l'ai un peu mal. Ça doit être l'autre tas de provisions. Il est temps de cramer ce truc. Ah bah voilà, c'était tout là. Content d'avoir tout récupéré. Je manque mon knack. Hop, hop. Il y a un truc en trop. Hop, on jette. Merde. Non, tiens, prends un peu d'eau. T'en as besoin. C'est de la balle. Voilà, je prends le mon profanateur. Un petit... Ça, on s'en fout. On peut le jeter. Un petit plan. On va détruire également ça. Hop, voilà, tranquillou. Les dernières provisions, me semble-t-il, en plus. Hein, donc on aura terminé une partie de cette quête. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça s'affiche? C'est peut-être au-dessus. Il doit y avoir un autre plan. Par ici. Très certainement à l'étage. On va aller voir ça. Hop, bah écoutez, il m'a semblé voir un plan sur la carte. C'est pas bien grave, hein. Les plans, on les aura pas tous dans cette partie de toute façon. Moi, il me faudrait une bagnole. Ce serait assez intéressant. Ouais, une bagnole, ce serait bien d'avoir une bagnole là. Pas de voiture? Allô, pas de voiture? Une moto. Ah, ça peut pas mal aussi une moto. Bah si, tiens. Ah, oh, elle est tombée par terre déjà. Allez, monte. Eh bien. 1 km. Il y a vraiment un paquet de chemin pour aller à ce truc. On dirait qu'une moto peut passer quasiment partout, par contre ça c'est bien. Oh, ça a un peu fait mal. Elles sont assez souvent ralenties les motos, j'ai l'impression par contre. Je me sens pas super à l'aise sur une moto. Je sais pas si je la garderai. En même temps, c'est vrai que ça fait un peu Daryl dans Walking Dead hein, qui utilise sa moto. Moi, je serais lui, personnellement, j'utiliserais pas de moto parce que les zombies, ils auraient envie de nous choper finalement sur une moto. On est vraiment plus fragile que sur une bagnole, que dans une bagnole. En vrai, c'est vrai que niveau maniabilité, niveau mobilité avec une moto, on va vraiment partout. Ça, c'est l'avantage que n'a pas forcément une voiture. À part peut-être certaines voitures, les smart ou les voitures sans permis. Mais bon, après niveau vitesse, hein, ça reste assez lolesque. Ce truc est mort. Oh, j'ai plus de bagnole. Oh shit! Faut qu'on trouve une voiture, sinon on est foutu. Je pense que le mot est faible encore. Voilà, on va essayer de dire. On tue un petit peu de zombies là parce qu'on était un petit peu submergé. On risque également de se faire encore submerger là. Oh, j'ai plus de. Il a explosé. Mince alors. Une bagnole, un taxi, nickel. Taxi, oh, une valise. Valise, toujours sortir avec sa valise. Hein. Très important la valise, les amis. Dégagez de ma caisse. Allez, viens. Dégagez de la voiture. C'est parti.
Par où on va? Par où on va? Par où dois-je aller? Je crois que c'est par là. Oh là là, je fais un 365 backfly degré nord, sud, est, ouest de la mort qui tue sa maman. Allez, on va à la tour. Ne vous inquiétez pas, Zimmy, on va aller à la tour. On va retrouver notre chemin. Je crois que c'est bon, je l'ai trouvé. Le petit jump qui va bien, qu'on a raté pour la deuxième fois. Oh, 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 ça fait bobo, ça fait extrêmement bobo tout ça, les amis. Bon. On prend le trafic, hein, écoutez, hein, on n'est pas là pour beurrer. Oh, elle a rendu là, elle a volé comme une. Comme une fille de l'Est. Tu montes pas? Pas venir. Bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, elle veut pas monter. Moi, en tout cas, je suis perdu là, les amis. Je sais pas trop où aller. Je suis perdu. Puis-je monter par là? Oh, ça devrait pouvoir se faire normalement. Ouais, c'est bon. Donc Alexandra est retournée dans la... Alejandra est retournée dans la zone de sécurité. Donc, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne nouvelle au moins quand un survivant est bloqué. Oh, dégage. Au moins on sait que ce dernier, les zombies c'est des kamikazes, ils montent sur le capot, ils montent sur le toit et tout. C'est des zombies tard les... Putain, les die-hard quoi. Le mec que dans die-hard là, on se dit dans die-hard là, c'est un truc de fou quand il fait ces trucs. Bah là, il nous faut un peu la même chose. Des zombies un peu cascadeurs, des zombies un petit peu fifou lol. C'est pas fermé, mais personne ne rentre. C'est un truc de fou quand même. Merci du coup de main. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. Ça fait toujours plaisir d'aider. Hein, en même temps, j'ai que ça à foutre d'aider des gens alors que dans 5 jours la ville va exploser. Voilà quoi. Est-ce que j'aurai l'occasion de refaire par contre des bombes? J'aimerais savoir. Hey. Je suis pas un zombie, pas encore. T'as réussi. Bien joué. Merci. En fait, est-ce que Red et toi... Est-ce que... Hey, Annie, Angel vient d'envoyer un signal de détresse. Ah, t'es revenu. N'aie pas l'air si surpris. Red, qu'est-ce qui se passe? Angel dit qu'on pourra trouver un enregistrement des attaques sur des civils si on se rend au poste de police. Ça provient des caméras de sécurité. On pourrait les faire tomber avec ça une fois sortis. Mm-hmm. Mais d'abord, on doit rejoindre Angel. Elle pense qu'elle s'est fait repérer. Je peux aller au poste de police? S'il faut juste récupérer des infos sur l'ordinateur. Tu pourrais t'en charger? Ouais. Ouais, je m'en occupe. D'accord. Angel est au deuxième étage, près de la piscine d'un hôtel à Central City. Va au poste de police t'occuper de ça, puis rejoins-nous là-bas. C'est compris? C'est ok, Nick. T'es réglo. Allez, Annie, faut qu'on retrouve Angel. Je te protégerai. Bon, et ben on est parti, les amis. On va poste de police. Fusil à pompe. Ça peut être sympathique. Grenade. Ok. Donc grenade, ok, combo et grenade. Hop, bah je peux la réparer je crois en fait finalement. C'est sympa ça. Voilà, impeccable. Ah non, je peux pas le réparer, quelle tristesse. Peut-être que, en fait si. Peut-être que si je prends encore une grenade. Non. On dirait pas. Lâche-moi ça, hop, voilà. Voilà, on peut quand même... Je l'ai posé, j'avais plus qu'une munition dedans. Voilà, à la limite, on s'en fout un peu. Là, on est parti. J'ai... commence à avoir pas mal d'armes uniques, finalement. Est-ce que je peux prendre... Non, c'était au-dessus, merde, des survivants. Ah, quelle tristesse. J'ai la meilleure à en prendre sa vie. Sa vie, pourquoi j'appelle sa vie? Je sais même pas. Ravi. Non, c'était même pas là. Bon, ok.
Je me suis fait avoir. Hein. Bref, on y va. Un plan. Petit plan. Un plan fesse. Un plan voiture. Plan voiture, nickel. Faut aller au poste de police, à 600 et quelques mètres. Bon, bon, on va essayer d'y aller, hein, tranquillement, calmement, sereinement, pépère. Je préfère prendre la bagnole. Je vous dis pourquoi, parce que je trouve que le camion, quand je l'ai conduit, je l'ai trouvé assez lent. Pas très maniable, et une voiture, c'est quand même beaucoup plus rapide et plus maniable. Donc, au moins, sans moins y fixer. Vous savez que les camions, c'est pas trop mon style. Les voitures sont bizarres quand même. Le maniement des voitures est extrêmement bizarre, hein, je vous le dis. Elles conduisent vachement vite. Oh là 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 là. Bon, heureusement qu'il y a une Lamborghini là-bas qui nous attend, les amis. C'est pas tous les jours qu'il y a des Lamborghini ouvertes, hein, au coin d'une rue. Donc quand il y en a une, je vous conseille de profiter. Parce que ça fait toujours plaisir. Oh là là, il y a un vieux mur qui m'a gêné. Où puis-je passer? On va essayer de faire le tour. Sûrement moyen de faire le tour. Hein. Je suis quasiment persuadé de ce que j'avance là. On en massacre un bon paquet avec une voiture, les amis, des zombies. Je pense qu'on fait plus de meurtres à la voiture qu'aux armes dans ce jeu finalement. Il y a plein de petits groupes de zombies comme ça à droite et à gauche. Aïe, ça fait très mal, ça picote. Et en rouge, est-ce que je peux passer? Ouais, je peux passer tranquille. Tranquille, les parcilles, la fosse, tranquille. Comment est-ce qu'on entre dans ce foutu commissariat? Wow, il faut une nouvelle caisse. Ouais, il faut une nouvelle caisse, là, allez. On va voir quand on peut rentrer dans le commissariat. Est-ce qu'il y a des copains aux alentours, là? Ce serait cool. Masque de Blanca. Ah, je vais mettre. Ah, je kiffe Blanca. Ah, je vais mettre sur un zombie. Je vais mettre sur un zombie, regardez. Blanca. Comment on fait? Hop! Regardez la tête de Blanca. De Street Fighter. Monstre vert. Petite porte ici, nickel. On l'ouvre. Les informations des caméras, vous les avez? Vous avez tout? Donnez-la-moi. Je veux la mettre en lieu sûr. Les preuves de nos sauvetages ne doivent pas traîner. Pitié! Au secours! Stop! Pitié, aidez-moi, c'est ma femme. Il y a quelqu'un d'autre avec vous? Non, elle est blessée. Bouclez cet endroit. Pitié. Non! Ils l'ont pas mordu. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la petite mort pour rien. Non! Mais... Vous avez tué ces gens! Perspicace, n'est-ce pas? Oh, c'est trop mignon. J'adore les apprentis héros. Voyons voir s'il est à la hauteur de mes espérances ou s'il va se dégonfler. Allez, on entre! Allez, on touche! Je vais une de ces orgies. Eh ben, dis donc. Mine de rien, c'est une grosse cochonne. Hein? On va faire le ménage, hein, si possible, ça peut toujours être pas trop mal. Qu'en pensez-vous? Voilà. Gros ménage, là, les amis, là, gros ménage. Hein, mais pas là pour beurrer les sandwichs en même temps. C'est une sacrée coquine. Cette méchante, dommage qu'elle soit méchante d'ailleurs. Sinon, j'en aurais bien fait mon petit 4 heures, je vous le dis honnêtement. Vous à moi. Oh.
Oh, doucement, doucement. Qu'est-ce que tu fais avec ta grenade? Voilà. Niveau sup. Eh ben, une petite vie en sup, hein, ça fait toujours plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai pas, j'ai toujours pas gagné, il faut que j'attende encore un peu. Que faire par contre là? C'est vrai que. Suivez Hyde. Ok, je suis bien là-dessus, y'a pas de soucis. Par contre, c'était le barré aussi. Elle. Un plan. Ok. Super mitrailleuse. Oh ben ça, j'en veux une. J'en veux une, donc je pense que c'est. Faut que je ramasse un fusil à pompe avant. Fusil à pompe, j'ai dit. Oh. Je joue pas à Kinect, hein, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas super. C'est pas tout le temps super. Avec Kinect, c'est pareil, quand je joue Kinect, c'est super bien parce qu'on peut dire les mots qui apparaissent à l'écran et ça les prend automatiquement. Donc certes, c'est pas mal pratique, je pense. Allez, on est parti. Je vais reprendre celui qui a moins de munitions. Histoire de. Oh, elle fait mal, elle. Elle veut ma mort, je crois. Je crois que cette personne ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Enfin, qu'est-ce qu'on lui a fait d'ailleurs? Oh, un zombie! Un zombie! Un gros zombie! Ah, il est méchant lui, à mon avis. Allez. Voilà. Oh, il fait mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai tué. Il y a un corps en dessus, je l'ai vu. Voilà, il n'y en a plus. Je crois. Le mec pas sûr de lui quoi. Pas du tout sûr. Oh merde, j'avais pas vu. Enfin si, j'ai vu au dernier moment en fait. Mais vraiment au tout dernier moment. Chocolat, hein, très bon pour la santé les amis. Mais n'abusez pas trop de chocolat durant ces périodes de fête, hein, parce que on peut être très vite malade à cause de cette saloperie. Enfin c'est pas de la saloperie, c'est très bon chocolat, mais faut éviter. Le foie n'aime pas trop. Même si c'est très bon, hein, je vous conseille quand même de ne pas trop en abuser. Ouah, ils ont halé vers les portes, la coquine. Oh là là, non, il y a un gros fucking monster là. T'es obligé. Prends plein la gueule par contre moi. C'est triste. J'aimerais le bousiller ce monstre là. Attendez. Hop, on va lui faire sa fête à elle. Attendez. Voilà, comme ça, fais-moi le mal là. Il y aura des armes là-dedans, c'est sûr, c'est obligé. Pas tout ça pour rien. Qui me tire dessus là? On ose me tirer dessus depuis tout à l'heure là. Voilà, plus personne. On tire encore. Ah c'est lui. Tiens, boum. In your face. Tiens. Bacon. Ah merde, avarié. Ah c'est pas génial ça. Oh, une grosse galette de pommes de terre là que je viens de lâcher. Je vous explique même pas le travail. Assez hardcore. On va prendre celui-là. Petite pomme. Deuxième petite pomme. Et on va équiper de ce petit knack. Voilà, snack. Allez hop, à mon avis ça va bombarder. Voilà, on fait ménage hein. Normal. Là. On arrive encore là-bas. Ah, barrez-vous. Eh, je le rush dessus, je suis un fou.
Tir de suppression, mes fesses. Tir de suppression, ouais. Tiens, 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 tiens. Ah là là, ils vont m'avoir. Hein. Pas le choix. Oh, c'est quoi ça? Ça explose comme ça, ça? Oh, comme ça pète. Ça rigole pas, ça. Eh, eh, eh. On n'est pas copains, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein, pas non plus faire des bisous dans le dos. Hein. Pas trop beaucoup d'accord, moi. Allez, boum. J'ai faim, il me faut du lait. Du lactose, il me faut des lactoses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tiens, je m'as saoulé. Eh, mon café. Je veux mon café au fond du jardin. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On est habitué. Très puissant en tout cas le petit pistolet qu'on a pu voir là. Voilà. Un petit pistolet. Un énorme pistolet même. Ah, elle est comme ça elle. Moi je la bombarde de trucs, elle a rien à foutre. Je l'ai un peu bombardé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, saloperie. Elle va pas mourir. Hein. Moi je sais que je tire pas super bien. Je vous l'accorde. Je tire quand même mieux qu'elle. J'ai plus de munitions. Je mange. Hop. Barre de chocolat. C'est bon aussi, barre de chocolat. J'ai plus d'armes. Il me reste plus que ça. C'est pas grave, on fera avec. Où est-ce qu'elle est? C'est barré. Ah, dites-moi qu'il y a des armes par ici, les amis. Couteau. Hop. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, elle se cache. Ah, on va essayer de la choper. De la pécho dans un petit coin. Oh, oh, ça serait le bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? De choper la petite policière là. Corrigez-le, les gars. Non, pas ça. Pas des lance-roquettes, c'est ultra méchant ça, lance-roquettes les gars, ça se fait carrément pas ça. Oh shit, je vais crever. Oh. Oh, j'en ai tué un, enfin, on m'a bien aidé je pense pour le tuer. Ah, faut que je mange de toute urgence là. Il y a plein de bouffe, c'est ça qui est bien par contre. C'est ultra pratique par contre. Allez, non, wow, faut que tu crèves, toi vite. T'es mort? Ouais, c'est bon, il est mort. Allez, je bois un petit Sky. Parce que le Sky, voilà, c'est le Sky. Le Sky, c'est bon pour la santé. Hein. Vous savez tous, c'est ultra connu. Non, pas lance-roquette, pas de lance-roquette. Tout mais pas de lance-roquette. Vous exterminez des survivants. Attention. Ah, je kiffe ce jeu. Ce jeu est super, honnêtement. J'attends ce genre de combat. Allez. Elle m'enchaîne. Wow. Non, tu vas pas m'échapper. Quand même pas. Je te balance un fauteuil sur la gueule si tu continues. Méchant. Je vais vous allonger. Pas pour ce que vous croyez. Et pas pour ce qu'on est. D'accord, je viens de comprendre ce qu'il y a en fait. Est-ce que ça sert à grand chose ce que je fais là?
C'est une question que je me pose, honnêtement. Allez, tire à feu. Voilà, hop, je l'ai bombardé. Non, il faut vite, à tout prix de la bouffe là. À tout prix de la nourriture. Ça va chier sinon. Oh là, il n'y a plus de bouffe. Vous avez plutôt un effet répulsif. Il faut de la nourriture, vite. Est-ce qu'il y a de la nourriture par là? Oui. Poivron vert, c'est pas grave, c'est bon quand même. Oui, il y a de la bouffe là, nickel. Boisson énergisante, machin. Oh, j'ai pris un lance-roquette dans la gueule. Allez, on va essayer de la terminer là, ce serait bien. Ce serait quand même cadeau, tout ça. Allez! Allez, coup de grâce, coup de grâce, coup de grâce. Non, non, c'est pas... Allez, coup de grâce! Tiens, voilà! La taille, ça compte! Mon grand! C'est pas juste! J'ai fini la première. Eh ben dis donc, je suis blindé de sang. Je pense que vous avez pu le voir, mais... Un truc de ouf. Bon, on va essayer d'aider Trevor. Ce serait bien qu'on trouve des armes aussi, parce que c'est quand même un peu en galère, finalement. Voilà, j'ai... Il me reste plus que des couteaux. Oh. Il me reste plus rien du tout, les amis. Je suis à court de tout. Il se relève comment, lui? Tiens. Et voilà, j'ai libéré Trevor. Ah, il n'est pas bien loin, là, de nos amis. On va vite y retourner. Alors qu'on se fasse cueillir. Oh là là, donc c'est très vite fait cueillir finalement. Ah, faut vraiment que je refasse des armes. Parce que là, c'est un petit peu la dèche. Je pense que vous comprenez ce que je dis. On dirait que c'est le bon endroit. J'espère qu'ils m'ont atteint avant moi. J'espère qu'ils sont là.